Bon, nouveau jour dans un nouveau vlog. Bon, aujourd'hui on va voir un médecin. Vous allez voir pourquoi dans la suite de ma chaîne. Un jour peut-être. Et voilà, c'est tout. Je me suis habillée un peu vite fait en vrai. On doit mettre le masque. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas maquillée. Un truc de ouf. Donc là c'est déjà parti. Oui, oui, ça décompte. Là vous avez dit c'est combien? Là c'est 330 et de l'autre côté c'est 390. Il voit pas tellement la différence. On dirait même chevillé, il est plus gros. Là peut-être vous avez un petit peu plus gros d'un côté de l'autre. Je disais, je suis trop contente, je sors de la clinique, mes seins peuvent être pris en charge. Aujourd'hui, on est le 27 mars 2021. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais je filme. Et en fait, c'est trop bien de savoir que on n'est pas folle, que c'est pas normal et que voilà, tu vois. So, donc là, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le chirurgien, je vous explique. Dans la vidéo que vous avez vue, j'ai essayé du 390cc et du 330cc. Dans même pas... Mais demain environ un mois après, j'ai pris rendez-vous pour... Mais j'ai oublié. Pour faire une mammo et une échographie du sein. Obligée de la faire. Parce qu'on doit vérifier si tout va bien. Donc j'ai ce rendez-vous demain. On est parti, en fait je vous explique, et j'ai pas, entre le téton et la fin du sein, j'ai pas beaucoup d'espace, c'est pas très grand. Donc avec le chirurgien on est parti sur trois tailles, mais il faut savoir que dans la vidéo j'ai essayé, il me disait 390-400 et l'autre 330. Non, 330, 350, 375. Et en fait on s'était arrêté sur 350, mais je pense que je vais lui demander du 375. De toute façon c'est souvent ce qu'on vous dit de faire. De prendre toujours un peu plus gros. En fait, il faut savoir que aussi ce chirurgien là, il fait du dual plan. Et le dual plan, il écrase un peu plus la prothèse. Donc en fait, quand tu fais derrière le muscle et surtout du dual plan, c'est mieux de prendre un peu plus gros parce que sinon tout sera écrasé. Donc ça fait que c'est un peu moins gros. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc demain j'aurai ma première mammographie de toute ma vie. Bon, à skip ça fait mal. Voilà. Je sais pas parce que j'en ai jamais fait. Et voilà, d'être faite, je sais pas. Mais j'ai fait. Merci maman. Bon, mais c'est pas grave, j'en ai jamais fait. Faut savoir que je me trompe, hein. Heureusement il y a des gens pour me corriger, mais je me trompe, c'est pas grave, c'est humain. Donc j'en ai jamais fait. Et ça va, j'ai pas trop peur. En vrai ça va, j'ai pas trop peur. Je veux juste que mon petit dossier il passe. Si vous saviez comment. Donc faut savoir que le chirurgien il m'a dit que ça pourrait être pris en charge. Donc je reviens avec la mammographie. Si Dieu veut, il y a rien. Je suis en bonne santé. Je reviens avec ce dossier là. Enfin les radios chez le chirurgien. Je pense qu'on se refixe la taille, parce que souvent en fait, c'est la dernière fois que tu le vois. En fait, tu refixes la taille, tu dis que tu es toujours d'accord. Il faut au minimum un délai de 15 jours entre les deux. On est plus qu'à un mois, donc voilà. Je pense qu'on va refixer, il va envoyer mon dossier à la sécu pour que je sois prise en charge. Si tu veux, je suis prise en charge. Et je le fais en juillet, enfin juin, parce que juin. Et normalement on doit fixer la date de l'opération. Mais je sais pas en fait comment ça se passe. En fait je sais pas s'il m'a envoyé un mail en mode ah c'est bon c'est validé, je sais pas. Et après j'aurai un rendez-vous chez l'anesthésiste. Je sais pas à quoi ça... Je comprends à quoi ça sert. Mais je sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'il te demande si t'as des allergies, j'en ai pas. Donc
Enfin, si t'es allergique à des médicaments, je suis pas allergique à des médicaments. Donc, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Je pense qu'il va regarder ton poids, enfin, si ton cœur va bien, enfin, ton corps, ton état de santé. Après, sinon, je sais pas. Je sais vraiment, vraiment pas. Et la prochaine fois que je serai face à vous, normalement, j'aurai des big seins. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout et c'est fini. Donc, je vais vous retrouver demain pour mon rendez-vous de radio. De mammographie, voilà, j'oublie toujours le mot. De mammographie, j'ai pris tous les rendez-vous sur Doctolib. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais comment tu prends les Doctolib? Donc je mettrai pas le lien, tu cherches sur internet, c'est Doctolib. C'est comme ça que je prends tous mes rendez-vous chez les médecins. C'est comme ça que t'as pas à parler aux gens. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, on est sorti à Pyrénées. Let's go. On comprime le sein. Il faudra que tu sois torse nu et que tu tournes ton collier. D'accord. Est-ce que tu peux attacher tes cheveux? Oui. Je vais vous faire 4 clichés, 2 de face et 2 en oblique. En fait, pour chaque radio, je tire le sein et j'aplatis avec la palette. D'accord. C'est pour ça que ça va serrer, mais ça ne dure pas longtemps, donc c'est supportable. Vous allez tourner la tête par ici. Vous allez vous décaler légèrement vers la gauche pour être au milieu. Détendez vos épaules. Là, je vais tirer. Ça va? Mm-hmm. On va comprimer. Surtout, ne reculez pas. D'accord. Voilà, vous mettez juste votre main ici. Non, c'est bon, bougez pas, restez comme ça, c'est bon. Mm-hmm. Là, on a fait de face, maintenant on va faire en oblique. Vous allez tenir ici avec la main droite. Avancez un petit peu. Et là, vous levez un petit peu le bras. Et vous penchez votre dos, vous relevez la tête aussi. Penchez le dos comme si vous allongez. Voilà. Comme ça. Non, c'est pas grave. Levez la tête, je vais prendre rapidement la radio. Là, on est le 22 avril, je suis à ma gare et je me dirige vers la clinique, enfin l'hôpital que j'avais pris pour faire ma mammo et mon échographie et prendre les résultats et donner au docteur. Donc c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui concernant la chirurgie. Donc let's go. Ok, donc là, j'ai récupéré mes résultats. Je sais pas pour vous, dites-moi, mais moi quand je vais chez le médecin, on m'appelle jamais par mon prénom. On m'appelle par mon deuxième prénom, genre. Enfin, je sais pas, il y a un premier prénom, on dit premier, non? So, let's go.
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé. Aujourd'hui, on est le 28 mai. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé, enfin, le docteur a envoyé le courrier à la Sécu. La Sécu a répondu au docteur de renvoyer des photos, des mesures, des informations. Voilà, des informations sur moi. Il a envoyé ça un vendredi. Le samedi, je reçois un courrier qui dit la demande est défavorable parce que vous n'avez pas envoyé ce qu'on vous a demandé. Tout. Je comprends pas. Je me dis mais attends, vous avez envoyé ça hier. Attendez. Bon. Donc je réponds à ce courrier. Oui, on a envoyé. Blablabla. Toute une hypocrisie verbale. Et donc le docteur, lui, il reçoit un courrier deux semaines après ou une semaine et demie, je sais plus, disant que c'est défavorable. Vous allez dire mais pourquoi la meuf elle dit ça aussi zen et tout? Parce que je rebondis. Donc dans la suite de ce vlog, vous allez voir que je veux quand même me faire opérer. Où vous allez voir dans ce vlog, par qui vous allez voir dans ce vlog, quel coup vous allez voir dans ce vlog. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile. Rien n'est impossible à Dieu, mais c'est pas facile. Et quand vous voulez un truc, battez-vous. C'est le seul truc que j'ai à dire. Et bon visionnage. Continuez à regarder ce vlog, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Dites-moi si vous attendez à tout ça. Quand ce vlog sortira, quand ce vlog sortira, les jours suivants, je sortirai le jour même de l'opération, comment ça se passe, et les jours post-op. Comme ça, vous avez tout condensé dans une même semaine, 2-3 jours d'écart, voire un jour d'écart. Je pense que ça peut être très bien comme ça, c'est plus condensé. Moi, je préfère. Je trouve que ça peut être plus agréable à voir. Vous n'avez pas à attendre jusqu'à... Non, tu vois, super. Et comme ça, après, je viendrai avec les post-op, je sais pas, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, c'est bon. On a fini de parler de ça. Alors, ouais, je me raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. Elle m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits. Alors, je me raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette.